Bonjour à tous, on se retrouve sur Fallout 76 et dans cette vidéo, eh bien, je vais vous parler d'étiquettes de consigne. Alors les tickets de consigne, ce sont des choses qu'on récupère notamment sur les calcinés ou sur certaines goules et on va pouvoir les échanger pour obtenir du matériel. Alors où est-ce qu'on peut les échanger? Comment ça se passe? Ça, ce sont des questions qu'on peut se poser quand on débute le jeu. Il y a également quelques petites conditions pour pouvoir avoir accès au local de consigne. Donc je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors une des choses intéressantes qu'on va pouvoir se procurer avec ces tickets de consigne, eh bien, ça va être notamment ce fusil à pompe de luxe, un fusil avec de belles compétences quand même. À ma connaissance, c'est la seule manière de pouvoir se procurer cette arme en jeu. Alors on va devoir se rendre pour pouvoir échanger les tickets à la station de ski de Pleasant Valley. Donc on va devoir affronter quelques calcinés quand on va arriver sur place et puis on va pouvoir accéder au local de consigne. Alors une fois qu'on arrive à la station de ski, il va falloir se rendre dans les locaux. Alors là, attention au comité d'accueil, puisque bien souvent, vous avez des calcinés qui vont être disséminés un petit peu partout sur le chemin. Donc il va falloir se battre un petit peu. Là, j'ai déjà fait le nettoyage, la sécurisation de la zone. Donc pas de problème. Donc on va monter les escaliers et puis on va rentrer dans ce grand bâtiment. Ensuite, on va descendre d'un étage, c'est l'étage où se trouve le magasin donc de résine, le robot d'épillard. On va encore descendre d'un étage pour aller au sous-sol. Alors ici, pour pouvoir accéder à ce local de consigne, il va falloir au préalable avoir terminé toutes les quêtes de Rose, puisque sinon bien on ne pourra pas franchir cette porte et cette grille laser. Une fois qu'on est ici, on va se trouver en présence d'un robot protectron, un groom, avec qui on va pouvoir interagir pour pouvoir récupérer donc du matériel. Il suffit simplement de lui donner le ticket ou les tickets pour pouvoir avoir le matériel. Alors c'est un ticket à la fois, parfois ça peut être un petit peu long. Vérification du ticket de consigne. Voici votre article consigné. Merci d'avoir séjourné chez nous. Alors on a la liste des objets qu'on a récupérés qui apparaît donc dans le coin supérieur gauche. Alors bien souvent on a des habits, on peut avoir de l'armement, des armures. Les lots qui étaient très intéressants à une époque, c'était la tenue de western avec les jambières. Maintenant elle est beaucoup plus commune, on la trouve très très facilement. Pour l'instant le lot le plus intéressant, mais c'est comme je vous le disais tout à l'heure, le fusil à pompe de luxe. Donc une fois que vous avez utilisé tous vos tickets, eh bien vous pouvez quitter les lieux. Quand vous n'avez plus de tickets, de toute façon le robot vous envoie bouler et donc vous n'avez plus rien à récupérer ici. Donc voilà pour cette vidéo à propos des tickets de consigne de Pleasant Valley. Si vous avez des questions, eh bien vous avez la partie commentaires et la boîte de réception de la page Facebook de la chaîne. Dans la description de la vidéo, je vous mets tous les liens et toutes les informations complémentaires qui pourraient vous être utiles. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis de cocher la petite clochette pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui seront diffusées. J'en ai maintenant terminé, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.